droite. Trop droite. C'était horrible, je me suis perdue et après c'était le bordel. C'est fou, maintenant que j'ai passé la sécurité, c'est tout de suite plus calme. Genre, j'adore cet aéroport. Mais avant la sécurité, quelle horreur. Et tout était trop mal indiqué. Alors pour un aéroport en grand, fuis Zurich. Après beaucoup d'efforts, je suis là. Je dois attendre 3 heures pour récupérer les clés, mais je suis là. Oh mon dieu, ce fut beaucoup d'événements là qui se sont passés en ces dernières heures. Je profite aussi parce que là je suis toute seule dans ma chambre et que je suis dans une auberge de jeunesse, donc concrètement il pourrait y avoir 5 autres personnes dans cette pièce. Là il est 3 heures. Je viens de check-in officiellement. J'ai tenté de check-in un peu en avance dès que je suis arrivée, mais elle était là. Non, 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 tu attends 3 heures pour avoir ta clé. Donc j'ai passé une heure comme ça à perdre le temps. J'ai découvert en voulant charger mon téléphone que, en fait, les prises, c'est les mêmes qu'en Angleterre. Qui c'est qui a prêté son adaptateur à sa sœur qui part dans une semaine à Londres sans checker que. Mais aussi, en même temps, genre. Il paye en euros, mais il roule à gauche. Et les prix, c'est les mêmes qu'en Angleterre. Il faut savoir, hein. Mais ouais, là, je vais m'empresser d'aller découvrir la ville, acheter un adaptateur, manger aussi, on s'en fout, c'était l'update. Mais je suis à Dublin, par terre, mais là, on va aller dehors. And this is nice. Regardez l'épaisseur de ce matelas, est-ce qu'il est confortable? Un peu dur. C'est pas grave. Je vois pas très bien ce château, mais il est trop beau. Genre il est un peu random, mais il est beau. D'où il y a des bouts comme ça. À côté de ça. Ça c'est fait. Je suis épuisée, j'ai froid, je prends une douche qui me réchauffe mon corps. J'ai pris ma meilleure douche, je suis vraiment, j'ai un peu monopolisé la salle de bain, je suis désolée mais j'en avais besoin. Et je suis si fatiguée, oh ça fait de la buée,
Mais je vais manger et me coucher dans mon lit. Genre vraiment, je suis KO. Mais demain, I'm sick this bitch. En fait, j'ai même pas encore mangé, donc je dois me laver les dents après. Mais bon. C'est pas grave. Le problème étant que je sais pas ce que je porte. Cette ventilation, je peux pas l'arrêter, je suis désolée. Okay. Faire mon make-up avant de m'habiller, ce serait pas une très mauvaise idée. Parce que je crois que c'est ce que je vais faire quand même. Je vais prendre mes écouteurs. Je vais pas écouter de musique. Mon beauty blender tout propre, ou presque, parce que au bout d'un moment, je sais pas quel point ça peut être une police. Je me rends bien compte qu'avec cette lumière atroce, vous voyez rien, mais écoutez, j'ai personne pour me préparer avec moi, vous êtes un peu là, mes cops. D'ailleurs, qu'on se le dise, hein, j'ai un peu habité la setlist pour rien parce que monsieur a décidé de tout changer tout le temps de ce que j'ai vu. Et ah, genre ça me stresse, je sais pas ce qui va se passer. Mais c'est quand même une surprise parce qu'en vrai, j'ai aucune idée de toutes les musiques. Donc en soi, s'il change, je saurais même pas. Mais si il ose chanter genre mes préférés comme moi, je suis pas là. Final look. On dirait juste que je suis habillée en pantalon noir et en t-shirt. Mais tadam, petite veste. Attendez. Ok, je fais un effort. Ok. Mon sac Uniqlo qui a toute ma vie dedans. Ma coupe de cheveux c'est pas définitif, mais n'empêche que j'aime bien. C'est juste que là j'avais trop chaud parce que j'ai empilé les couches. Je sais pas si je vais repasser par l'hôtel. Et c'est la journée où je vais un peu faire la queue. Donc, ce n'est non plus pas l'outfit définitif. J'ai juste mis un pull dessous parce que j'ai peur d'avoir froid. Voilà. Au début, je voulais mettre une jupe. Mais là, j'avais vraiment trop peur d'avoir froid. Donc, on verra bien. Petite garde d'eau que je vais devoir jeter après. Mais on s'hydrate. Et je vais gentiment aller en direction de la salle. Il faut que j'aille trouver comment faire un billet pour aller en transport public parce que cette ville avec les transports publics, et soit c'est moi qui comprends pas, soit c'est quoi votre problème? Pourquoi vous pouvez pas juste mettre des bornes à chaque arrêt? Ou tu peux prendre ces cartes Viteur là, hein? Il y a genre 5 endroits dans toute la ville où tu peux les acheter, ils sont tous au même endroit. Et je dois quand même marcher 20 minutes pour aller en trouver un. Et Dieu sait si je vais trouver vraiment. Tout ça c'est pour après aller au concert, donc I'm excited. Ça, c'est fait. Regarde où je suis. Je suis littéralement dans Normal People. Genre, ils étaient là. J'ai l'impression d'être... Waouh, c'est fou, il y a des gens qui vont vraiment aller ici. This is crazy. Que ça?
nothing where we used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. I'll always be faithless and I'll always be small. I'll always be small in the car. Good to be home. This will never, ever, ever, ever get old. You can pass on her love. It's okay, 'cause you're not alone. You can hide, you will love, you'll have your face in the sun. On the night you feel alive, I should have showed you all the scars at the start, but as long as things to fuck with her. See, I'm in love with how your soul's a mix of peace and harm, how you never try to be in the heart. Hier, est-ce qu'on en parle j'ai un peu perdu ma voix, mais juste un tout petit peu. Un des meilleurs shows de ma vie, si ce n'est le meilleur show de ma vie. Tout est si bien pensé, genre ça se voit qu'il a pensé à tous les détails, alors, les visuels, la scène, toutes les chansons, tout fait sens. Et je voulais vraiment me garder cette liste de secrets et elles m'ont trop fait des blagues en mode « Imagine !» Il fait style, imagine, il fait mirrors, imagine, machin. Et puis moi je t'emmène, bah ouais, imagine s'il fait style. Et c'est pas ce dingo, en fait, il le fait tous les soirs. Mais bon, là il l'a fait pour moi. Toutes les personnes de cette salle étaient en pleurs peut-être. Mais no one gets it like I do. Non mais je rigole, mais en vrai c'est trop... Je sais pas, c'est trop mon atmosphère préférée au monde d'être dans une salle de concert. Avoir ton artiste préféré au monde, genre. Faire ce qu'il fait de mieux. Alors, c'est vraiment des souvenirs pour toute la vie. Et je suis trop contente d'avoir été à son premier home show dans cette tournée, genre, c'est fou. Si la petite moi de 13 ans pouvait se voir maintenant, à Dublin. Pour voir genre, ça a aucun sens, mais je suis trop reconnaissante. Je vais finir de me préparer, on se retrouve après.
devinez où on est. De retour. Mais ça va mieux, ça va mieux. Faut pas trop que j'en parle sinon. Night to baby. That's the fetch. Vraiment les pires angles de vue, mais. Full day, mais on commence par un truc très très cool. Je trotte. Hier c'était trop bien.
Mais j'ai pas le temps de vous faire un récap là. C'était juste trop bien. J'ai chanté, j'ai dansé, Si ça me manque déjà. Y a rien de mieux comme atmosphère que The Show Live on Tour. C'est juste la plus heureuse du monde, moi. J'ai réalisé, les gars, que j'avais écouté Nile tout le voyage pour me pump it up pour les shows et tout. Et là, si j'écoute ça, je vais chier à l'axe. Donc, première mission, c'est de trouver pour écouter pendant ce trajet en bus. Vraiment là, tous les jours, comme si j'allais vraiment à l'uni ici. Mais bon, mon rêve, hein. On a dû courir, mais on est à l'heure. Enfin, si je trouve l'entrée, mais on est à l'heure. Il est 17h, je suis de retour à l'hôtel parce que je suis pas épuisée, mais j'avais besoin d'un break. Parce que j'ai passé toute la journée en vrai à marcher partout, et c'est trop bien, hein. J'ai fait genre presque tout ce que je voulais voir. J'ai acheté des souvenirs, un livre pour moi, un cadeau pour une pote à moi, enfin bref. J'avais plein de petits trucs et au bout d'un moment ça commençait à faire lourd. Et au début j'étais je vais passer à l'hôtel, me poser, peut-être m'habiller un peu plus chaudement et repartir et manger et... Et voilà, mais en fait je crois que non. Et je suis passée chez Tesco du coup en rentrant. Et je me suis pris une pizza. Voilà. Parce qu'au début j'étais là, je vais aller manger une pizza. Après j'étais là, non, je vais me la faire livrer. Et maintenant j'étais au point de la flemme de non, je vais m'acheter une pizza et la faire cuire moi-même. Voilà, donc je vais me faire ma petite pizza, la manger. Et essayez de pas chialax parce que de l'autre côté de la ville il y a Night3 avec le petit foufou qui est en train de se trémousser devant 13 000 personnes et j'en fais pas partie. Qui m'a dit de rester à Dublin jusqu'à lundi alors que le dimanche il y avait encore un show. C'est si frustrant. Sur une note plus positive, mais aussi un peu triste, j'aime tellement cette ville. En vrai je me sens tout le temps safe, genre j'ai pas eu une expérience bizarre. Je n'ai jamais eu peur pour ma sécurité, ce qui est très important quand tu voyages seul. Je m'étais toujours dit que je voulais venir en Irlande un jour et que j'allais venir à Dublin. Et c'était surtout pour Niall. Mais du coup, c'est encore plus spécial d'être venu pour le voir à ses home show. Et j'arrive pas à croire que c'est fini. Enfin c'est pas fini, il y a encore un soir pour l'Irlande, mais c'est fini pour moi. Ah, petit pincement au cœur. C'était trop spécial et vraiment des souvenirs gravés dans ma tête pour toujours. Donc je suis très contente d'avoir filmé tout ça. Et en vrai, mes copines, elles me manquent. Le show, il me manque. Et cette ville, elle me manque déjà alors que je suis encore ici.
Est-ce que vous voulez un haul? J'ai acheté ça parce que c'est en réduction. Et que je suis une enfant, apparemment. De l'eau. Je sais pas pourquoi, sur le moment j'étais déshydratée et en fait j'aurais pu attendre de juste arriver ici, d'aller chercher un verre et de boire de l'eau. Mais voilà, je n'ai jamais goûté cette saveur de Volvic. Manque, passion. Bonne excuse. Ma pizza. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Des myrtilles. Des digestives. Et je me suis acheté un livre. Très contente. C'est le seul livre que j'ai acheté alors que j'ai vraiment fait, j'ai l'impression, 150 librairies aujourd'hui. Mais bon. A Golden Treasury of Irish Verse. Qui regroupe plein de petits poèmes, légendes, folklore irlandais. Et c'est très dans le thème. Et il est très beau. Je sais pas si on va se reparler encore. Je vous filmerai peut-être quelques petits clips de ma soirée. Mais... Je suis trop triste, en vrai ça va trop me manquer. Mais bon, le plan c'est trouver les derniers souvenirs, dernière petite balade en ville. Après je rentre, check out, je laisse mes valises et je repars pour vraiment dernière balade en ville. Et je vais me poser dans un café je pense et ce serait l'heure d'aller à l'aéroport. Je suis trop triste en vrai. Mais bon, on va profiter de ces derniers instants. J'ai trop pris mes petites habitudes, moi, d'aller prendre mon petit bus, de marcher, d'aller au centre-ville et tout. Ça va trop me manquer. Je dois marcher genre une vingtaine de minutes pour retourner à mon hôtel. Mais je me suis dit que j'allais marcher et pas prendre le bus. Comme ça, ben, je profite une dernière fois de ça. Et ça me paraissait une très bonne idée de marcher jusqu'à mon hôtel. Vu qu'il fait si froid. Tout d'un coup, le vent s'est levé. Genre, c'est tout le temps comme ça. Le matin, là, il fait beau. Je pense que tout va bien. Et après, il y a un froid glacial là. Dublin, je t'adore, hein, mais la température, il faut choisir. Salut, chica. Direction l'aéroport. J'ai pas envie, mais bon.